Et aujourd'hui, nous sommes ici à Delémont pour la journée annuelle de l'association Godly Place Suisse Romande. Nous avons 17 participants. Cette journée est un peu une formation continue pour les personnes qui ont fait la formation de narratrice ou narrateur. Nous abordons des thèmes. Chaque année, nous essayons de varier un peu les thèmes. Godly Place est difficilement traduisible en français. Dans Godly, on entend God qui est Dieu. Il y a Godly Play qui est le jeu. Alors on invite Dieu à jouer avec nous. Dieu nous invite à jouer avec lui. Et le jeu, c'est très important dans cet espace Godly Play. Godly Play est une approche catéchétique qui a été créée par Jérôme Berryman, qui est un pasteur théologien américain. Et qui a beaucoup travaillé sur la théologie de l'enfance, et il s'appuie sur la méthode Montessori pour proposer une approche religieuse de la pédagogie de montessorienne, en fait. Et c'est pour ça qu'il a créé tout un espace qui est dédié aux enfants, avec tout un matériel qui est à la hauteur de l'enfant, où il peut l'utiliser, le manipuler sans aucun danger. Ici, vous avez du matériel pour raconter le temps de l'Avent, avec une représentation de Bethléem. Ici, vous avez la Sainte Famille. On peut raconter aussi la Sainte Famille. Ici, vous avez la parabole du bon berger. C'est du matériel qui est beau. Donc, en présentant du beau matériel, on dit aux enfants aussi qu'on tient compte d'eux, qu'on les aime et puis qu'ils valent la peine d'avoir du beau matériel. Donc, tout un environnement physique, mais également théologique, puisque quand on rentre dans une salle Godly Play, on a l'impression de rentrer dans une Bible. Alors, cette année, nous avons approfondi le thème de la spiritualité de l'enfant, en quoi nous pouvons reconnaître que l'enfant, déjà très petit, est spirituel. C'est un être qui est déjà habité par une recherche de sens. Et puis, durant l'après-midi, nous avons proposé des ateliers à choix. Alors, soit les personnes qui participent peuvent découvrir un nouveau récit. Aujourd'hui, ce sera les 10 meilleures façons de vivre. C'est une très belle façon de parler des 10 commandements ou des 10 paroles de vie. Et puis ensuite, ils peuvent choisir de fabriquer le matériel qu'ils utiliseront ensuite pour raconter ce récit. Et puis l'autre atelier, c'est un atelier pour approfondir la croissance spirituelle. Nous allons faire des liens entre les différents moments de Godly Play, le jeu, la créativité, le silence, l'harmonie, comment ces éléments permettent à l'enfant de croître spirituellement. Mais ce qu'on a remarqué, ce qui est surtout attirant chez eux, touchant, c'est la manière de raconter l'histoire avec les objets et le questionnement après, le je me demande, le temps d'émerveillement face à cette histoire, parce que les questions permettent vraiment à chacun de se retrouver dans l'histoire, de faire les liens avec sa propre vie.